Il était une fois dans une forêt lointaine et mystérieuse. Dans cette forêt habitait Valentine, un petit papillon qui adorait virevolter d'arbre en arbre. Curieusement, le meilleur ami de Valentine le papillon était Georges, un énorme dinosaure. Valentine et Georges ne rêvaient que d'une chose, voyager et parcourir le monde. Alors, un matin, ils préparèrent leur baluchon et partirent à l'aventure, joyeux et excités comme des puces. Après plusieurs jours de voyage, nos deux amis arrivèrent au pied d'une grande muraille de pierre qui s'étalait à perte de vue. Au loin résonnait une musique étrange qui leur était complètement inconnue.
Après avoir escaladé cette muraille monumentale, Valentine et Georges firent la connaissance d'Hector, un escargot très aimable, mais un peu baveux. Nos deux voyageurs demandèrent à Hector l'escargot quelle était cette contrée mystérieuse aux harmonies si exotiques où ils avaient atterri. « C'est la Chine !» leur répondit Hector. « N'avez-vous pas reconnu ces mélodies et ces rythmes si typiques ? Tendez l'oreille, mes amis, écoutez bien !» Après 3 jours passés en Chine à visiter de magnifiques temples et à jouer avec des pandas, Valentine et Georges embarquèrent sur un bateau à vapeur vers leur nouvelle destination. En regardant dans l'eau, ils pouvaient admirer des poissons de toutes les couleurs et de toutes les formes qui semblaient danser au rythme des vagues. À peine débarqués sur une île gigantesque, nos deux amis se retrouvèrent nez à nez avec un étrange animal qui n'arrêtait pas de sauter. En effet, pour se déplacer, il faisait des bonds vertigineux. « C'est un kangourou !» s'écria Valentine. « J'en ai déjà vu dans un livre !» Après le bateau, s'ensuivit un long voyage en avion. Et alors que nos deux explorateurs survolaient un nouveau continent, Valentine, le petit papillon, s'exclama « Regarde, Georges, je vois des animaux presque aussi gros que toi. Ils sont tout gris, avec des oreilles énormes et une trompe à la place du nez. » La famille d'éléphants accueillit Valentine et Oscar comme il se doit et les emmena se détendre et se rafraîchir près d'une magnifique chute d'eau cachée au fin fond de la forêt.
Remontant plus au nord, les deux animaux découvrirent un paysage de sable et de dunes. Le désert s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était magique. Soudain, ils aperçurent une forme triangulaire qui s'élevait jusqu'au ciel. Émerveillés et surtout très curieux, ils décidèrent de grimper jusqu'au sommet de cette pyramide pour admirer le panorama féerique avant d'en redescendre. Pfff ! Autant d'escaliers qui montent et qui descendent, c'est fatigant. Au pied de la pyramide, un homme avec un turban était assis par terre. Devant lui se trouvait un mystérieux panier en osier. L'homme commença à jouer de la flûte jusqu'au moment où sortit du panier un serpent qui se dandinait comme une danseuse du vent. Georges le dinosaure eut tellement peur du serpent qu'il se mit à courir dans tous les sens. Après les escales dans la savane africaine et le désert égyptien, Valentine et Georges commençaient à avoir un peu chaud. « Allez, cap vers le nord !» annonça Valentine, déterminée à retrouver le climat doux du nord de l'Europe. C'est ainsi qu'ils découvrirent un pays où les prairies étaient verdoyantes et où les hommes portaient des jupes. L'Amérique, c'est là que je souhaite aller maintenant. J'en ai toujours rêvé. Là-bas, tout est grand comme moi, s'écria Georges le dinosaure. C'est d'accord, répondit Valentine. Partons à la découverte du Nouveau Monde. Let's go!
Dis, Valentine, tu connais une danse américaine, toi ? Demanda Georges à son ami Papillon. Je crois qu'ici les animaux dansent le gloubi-boulga. Enfin, quelque chose comme ça. Le soir venu, Valentine et Georges s'allongèrent dans un champ, admirant les étoiles et la pleine lune. Un peu nostalgiques, nos deux amis pensaient à leur famille, leurs amis et leur maison. Tout ceci commençait à beaucoup leur manquer. C'est décidé. Aujourd'hui, nous rentrons à la maison, s'exclamèrent les deux compères. Aussitôt dit, aussitôt fait. D'un pas décidé, ils se mirent en route. À peine arrivés à la maison, leur cœur se remplit de joie en voyant leur famille et leurs amis. Et Valentine et Georges sentirent monter en eux un désir irrésistible de danser et faire la fête. La nuit tombée, épuisés mais heureux de ce magnifique voyage autour du monde, Valentine et Georges s'endormirent des étoiles plein les yeux et le cœur rempli de souvenirs qui les accompagneraient toute leur vie.
sont bons pour danser.